à tous ceux qui nous regardent à travers notre page Facebook. La liturgie d'aujourd'hui sera en trois étapes. Le rite pénitentiel, dédicace de l'autel et la bénédiction du tabernacle. Nous sommes heureux d'accueillir le cardinal Maurice Piat, le père Georges et notre curé, le père Jérôme, à cette célébration. Nous nous mettons debout pour accueillir les célébrants. Tout comme lui, on
Jean, mon fils. Tu veux dire maintenant Jean. Tu veux dire quoi le plus beau qui nous. Alors, Jésus, on va dire, triste. C'est comme ça que Jésus dialogue un prophète. Jamais il parlait un accueil pour lui-même, pour sa famille, pour son endroit. Ça veut dire, il a tellement du mal le début même de la mission de Jésus, puisqu'il est rejeté. Rejeté de manière polie, il part, flambé pour le roche, mais en même temps, Félix au moment, il n'est pas trop bienvenu. Alors, ça nous fait tous Jésus profondément, une souffrance, oui. Mais, ce qui me trouve intéressant, c'est que, à la fin, dire Jésus, c'est de là de la même foi, mais il ne dit pas pour le village d'avant-tour en enseignant. C'est-à-dire qu'il continue à enseigner. Il ne pas abandonner ce mission parce qu'il y a un village qui n'a pas à publier. Alors, on pose une question. Qui se fait Jésus tenir comme ça? Quand maintenant se retourne contre lui, où on connaît dans la vie de Jésus, lui qui n'avait plus pas de bonne fille, retourne aux autres, il rebelle contre lui jusqu'à ce qu'on dans la croix. Mais qui se fait Jésus tenir dans un moment difficile? Qui se fait faire Saint Paul tenir dans ce mission que lui aussi fut rejeté? Ma prophète de longtemps aussi c'est comme ça. Qui se fait tenir? Le quatrième de sa question-là, elle est dans le livre, ou bien sur réponse, mais c'est une question pas juste pour être dans le livre, c'est une question pour le tout. Une question bien importante pour le tout, parce que est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas gagner des problèmes là? Un moment d'exemple. Pas tous les jours, pas c'est pas normal. Mais pas vrai. Mais c'est vrai, moi aussi, je suis bien catégorique. Vous connaissez qui pas facile. Vous connaissez pas tout le monde, pas pas toujours intéressé. C'est difficile de comprendre les autres. Alors, vous avez gagné, vous avez connu. Qui vous fait tenir et continuer? Un professeur, c'est un professeur qui est enseigné dans une place, lui fait. Parce qu'il y a des découragement, montrer ce que quand on sait faire plus d'efforts, être, je ne pas être. C'est difficile de tenir. Qui est-ce que c'est de tenir? Ou bien même dans la famille. On le connaît, on a une difficulté qui dans les parents, on va gagner d'autres enfants. Quelquefois, ce sont des petites difficultés, pas grand-chose. Mais quelquefois, c'est sérieux. Hein. Comment, moi je le connais, vous connaissez une vie. Parents qui ont des enfants et nous tombent à la drogue. Un jour, nous avons besoin de plusieurs parents. Et c'est déchirant de les écouter. Une souffrance terrible, terrible. Et ça part avec un courage incroyable de continuer à nourrir ce même endroit, continuer à accompagner, continuer à prendre le chemin comme un jeune enfant. Maman, on rappelle un jour, c'était moi. Quelle corporation gagne 4 ans en tant que chef? Vous vous êtes pour me dire que mes enfants à l'école la même place en faire tous les jours. Il s'y fait. Donc, qui dit ça, c'est de me tenir et de me continuer. Alors, pourquoi, quand Saint Paul tient ce découragement, vient dire, dans cette mission, il dit lui-même que Jésus dit comme ça. Ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Nous devons comprendre ça parce que ça, c'est un message pour nous aujourd'hui, jour qui nous est consacré à le terme. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ma grâce veut dire mon amour pour toi. Mon contentement, comment tu es. Ça, beaucoup entendent parce que tu as même vos enfants.
Un papa, un maman content sur son enfant, même s'il fait quelques bêtises, il est toujours content, apaisé. Alors, Jésus dit, imagine qu'il te donne un papa, qu'il te donne un grand frère avec Jésus qui te donne sur la vie pour toi. Et tu te donnes à valer à Dieu. Ma grâce te suffit. Quelquefois, nous viens penser ça comme ça. Est-ce qu'il nous met, comment dire, en français, suffit-toi d'être aimé. Comment dire, est-ce que les guerres remplies par l'amour gratuit de Dieu. Pas besoin pour de la vie remplie, pas besoin d'avoir toute qualité gadgets, toute qualité manger, toute qualité d'amusement. Laisse-toi remplir par l'amour gratuit de Dieu. C'est ça qui fait obtenir. Parce qu'un jour, pas oublier, tout sera de gadgets qui te fait ramasser là, tout sera de richesse qui te fait ramasser là, tout sera de la gloire qui te fait gagner là. Ça vous forme, ça va vous forme. Donc, bien sûr, l'amour de Dieu qui prend de toi, qui ramasse toi et qui remet toi dans le bien. Alors, Jésus dit à Saint-Paul, il dit à Saint-Paul, ma grâce te suffit. Suffit-toi d'être aimé. Pas facile. Mais en même temps, Jésus ne va prendre quatre chemins. Il y a de la vérité en plein. Suffit-toi d'être aimé. Deuxième chose qu'il dit, c'est ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Comment le cas de Jésus lui-même. À la fin de la vie de Jésus, comme on le connaît, la plupart de la foule qui se fait suivre lui, il retourne contre lui. Pas d'autorité, il retourne contre lui. Ce propre 12 apôtres, il sauve le Seigneur. Jésus est tout seul dans la croix. Imaginez-vous, souffrance dans son équerre, en plus de la souffrance dans son corps. Une grande détresse, une grande faiblesse, vous avez dit. Il dit, comment dire, larguer le ciel, avec ce soldat-là, qui est massacré. Et dans cette faiblesse-là, Jésus lui dit, comment dire, abandonner à Dieu. C'est-à-dire, il dit, bon, remettre la vie dans la main. Ça veut dire, ça veut dire, tout dans la main. Pour faire confiance, pour remettre la vie dans ton âme. Ça veut dire pour faire confiance de l'amour pour moi. Et quand il fait confiance, il va dire, mettre tout cela dans la main pour Dieu, pour le dire, même si Jésus le dit dans la croix. Et ajouter, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pardonnent ce qu'ils font pour eux. Ça dépit de cela que Jésus nous dit dans la croix, c'est comment dire une faiblesse, qu'on peut être un messie qui nous sauve le monde, du monde, tout ça dans la croix, c'est une chose qui nous dit qu'à va dire, plus dans la même où on dit nous parle avec Dieu, il paraît faible, il paraît une récit, il paraît faire des souhaits sur mission. Oui, pas vrai. Tu m'as dit, tu m'as dit, ça va, tu m'as dit, 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 tu Jésus, non, il reste dans sa faiblesse. Et ça veut dire, la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Qui sa puissance? Quand on trouve sa puissance? D'abord, on trouve lui quand Jésus ressuscite. Comment dire, c'est l'amour plus fort que l'amour. C'est l'amour bataille avec son amour. C'est l'amour toujours vivant. Et vivant même physiquement, on ne va pas trouver. Et deuxième, c'est ça l'amour-là qui attire les hommes. Jésus vient dire ça. Quand vous voulez dans la croix, vous pouvez attirer tous les hommes à moi. Ça veut dire là, du monde, ce papel. Capable de reconnaître ce point un petit peu les temps.
se prend soin de te reconnaître qu'il s'agit là, qu'il compte en eux jusqu'à la fin. Et même juste après la crucifixion de Jésus, il y a un grand soldat romain qui dit là et qui dit qu'il y a Jésus pendant toute sa passion. Et à la fin, il dit ça, garçon-là, il vient dans son bon Dieu. Un païen qui dit ça. Et puis il reconnaît qu'il a dans lui une puissance d'amour incroyable qui va transformer la vie des hommes, des femmes, des temps. C'est la puissance d'amour qui est dans le cœur de Jésus qui nous transforme. Ce n'est pas sur capacité de nous persuader, ce n'est pas sur la force principale, non. C'est la force de l'amour, la puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse. Alors les amis, nos annonces qui nous consacrer tout à l'heure. Jésus, avant les morts, il fit décider qu'il s'écrit passer dans la croix. Ça veut dire sa manière de tout remettre dans la main de Dieu. Sa manière de pardonner, même dans son faiblesse. Il disait présent lors le sacrifice du Christ. Son offrande, des besoins présents dans, au milieu des fidèles, sur un autel. C'est pourquoi, parce qu'il y a des affaires, comment dire, sacrées. L'offrande de Jésus, ça veut dire qu'il sauve, il sacré. Puis, la chose la plus sacrée qu'il peut avoir pensé. Et c'est pourquoi, quand il est présent sur l'autel, nous prenons soin avec sa vie. Comme on remercie Jérôme et toute la fabrique du monde qui vient collaborer, faire un joli hôtel, mettre en valeur. Parce que l'eau sur la table n'en a rien d'autre pour faire. Juste célébrer l'Eucharistie qui est l'offrande du Christ, qui est vous présent. C'est même ça l'offrande qui vient bouleverse la vie, bouleverse le monde. Alors, il est présent là. Mais comme c'est la table, mon père peut toujours derrière la table et ma fidèle devant la table. Ça veut dire que c'est l'autel qui rassemble la communauté, qui peut communier à cette manière de faire du Christ, communier au corps du Christ, c'est-à-dire communier à sa vie. Nous aussi, dans la vie, Jésus apprend. Si nous les vivons heureux, remettre tous les problèmes, tous les tracas dans la main de Dieu. Et pardonne les humains qui offensent. L'Éra nous trouve un allié. L'Éra nous trouve un la vie. L'Éra nous trouve un soulagement. Jésus dit comme ça. Il dit comme ça. Vous êtes tous les messages fardus. Chacun parmi nous, ça y est, sauf à eux. C'est spécial. Je veux tout qui me soit bien faire à Dieu, Jésus-Dieu. Viens apprendre avec moi. Viens dans mon école. Et puis ça, l'école l'a dit à nous. Je suis doux et humble de cœur. Doux veut dire patient. L'heure tout dans la main de mon Dieu et attendre avec patience qu'il m'en vive ce travail. Attendre avec patience qu'il m'en vive ce travail. Je me rappelle une fois, un prisonnier qui était moins grand et son. Il me dit, bien malade parce qu'il souffrait beaucoup, et un camarade qui s'est fait à c'est pas visite en prison, un camarade prêtre, parce qu'il avait en prison, il voulait moi, mais j'ai dit, c'est un prisonnier, prié avec moi pour souffrir beaucoup. Alors, après sa visite, une semaine après, il dit, voulait moi, et il dit, moi, tu connais qui est un prisonnier, dis-toi comme ça. Dieu, mon Seigneur, laisse-moi te faire ce travail. Pas oublier sa parole. Dieu, mon Seigneur, tu as souffert, d'accord, dans ce malade, d'accord. Dieu, mon Seigneur, laisse-moi te faire ce travail. Je lui abandonne-toi, laisse-moi te faire ce travail. Et de fait, avec une patience, continue de faire ce travail. Ça même que Jésus dit, apprends dans l'école, soit doux, soit patient. Et humble, ça veut dire, ben, le problème qui menace dans une famille, dans un travail, dans un pays,
dans nos engagements de l'Église. Oh, nous-mêmes, nous sommes capables de ça. Vous faites ce qui nous capable. Bien sûr, nous mettons toute une bonne volonté, mais nous devons faire confiance dans la puissance de Dieu qui se déploie dans notre service. Alors, les amis, quand vous pouvez consacrer l'autel, et quand vous venez autour de l'autel chaque dimanche, et de fois encore, imaginez sur l'autel, c'est le sacrifice de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Sa manière de s'offrir à son Père qui nous sauve et à laquelle nous sommes invités à participer. Maintenant, nous allons procéder à la bénédiction de l'autel. Le cardinal va commencer par la prière de dédicace, suivie de l'onction, de l'encensement et de l'illumination festive de l'autel. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te bénissons. Toi qui as voulu dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cette autel, préfiguré déjà de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé, cet autre père du genre humain, érigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. Abraham, notre Père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne refusait pas Isaac, son fils bien-aimé. Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, te construisait un autel qui aspergea du sang d'un agneau en préfiguration de l'autel de la croix. Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ses figures leur achèvement, à la fois prêtre et victime. En montant sur le toit de la croix, Jésus s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut Dieu du ciel, répands ta bénédiction sur l'autel qui a été bâti en cette église, qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, qu'il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces. Que cet autel soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie, en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis et de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils et abreuvés de son Esprit, grandissent dans ton amour. Qu'il soit source d'unité pour l'Église et source d'union entre frères et sœurs. Que tes fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité. Que cet autel soit le centre de notre louange, de notre âme de base, jusqu'au jour où nous parviendrons exultant de joie dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons sans fin le sacrifice de louange avec le Christ, souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, notre prière, comme la fumée de cet ensemble, et comme son
croise. Nous avons
cardinal va faire la bénédiction et l'encensement du tabernacle. Seigneur Père très saint, tu as donné aux hommes le vrai pain du ciel. Daigne nous bénir et bénir ce tabernacle. Nous avons préparé le tabernacle pour conserver le sacrement du corps et du sang de ton Fils. En adorant le Christ ici présent, puissions-nous être associés à son œuvre de salut, lui qui règne pour les siècles des siècles. Cardinal, chers amis paroissiens de Saint-Joseph, pour avoir son et son sud, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous adresse ces quelques mots en ce jour de béni de la reprise des messes et de la grande bénédiction de notre Église rénovée, ce lieu sacré où nous aimons venir à la rencontre de notre Seigneur pour différentes raisons. Cela fait 6 ans et demi que je suis avec vous en tant que vicaire, puis curé de la paroisse où j'ai eu la chance et la joie de voir naître ce grand projet. Cher cardinal, je tiens en premier lieu à vous dire un grand merci au nom personnel et au nom de tous les paroissiens de nous avoir soutenus dans la rénovation de cette belle église de Saint-Joseph qui a débuté au mois de juillet de l'année dernière. Merci de la confiance que vous avez placée dans notre équipe pour réaliser ce projet d'envergure. En guise de remerciement pour votre soutien au projet de la paroisse et votre déplacement aujourd'hui, veuillez recevoir un petit souvenir. Et merci beaucoup, Monseigneur. Y a bien.
aimerait une participation de la paroisse tout entière pour ce projet. Donc, je remercie tous les membres de ce comité de la rénovation. Merci beaucoup. Ils étaient là presque pendant cette rénovation. Une fois par semaine, il y avait la rencontre et ils sont venus, ils ont fait une évaluation de ce projet. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et puis, par la grâce de Dieu, l'inspiration du Saint-Esprit, on a eu un joli dessin pour notre hôtel. On a eu cette idée de changer un peu notre hôtel. C'était M. Pierre-Yves Zeret, l'architecte, qui nous a donné ce joli dessin. Quand j'ai parlé avec lui de ce projet de changer, j'ai demandé un dessin, il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez, quel sort de dessin. J'ai dit, vous pouvez faire comme selon votre inspiration, mais le dessin doit communiquer, doit exprimer la vie, c'est tout. C'est tout que je veux. Et il m'a donné ce dessin, la lumière naturelle qui traverse la croix. Donc, je profite de cette occasion pour remercier M. Pierre-Yves Zeret qui a fait ce bon travail gratuitement pour nous. Un grand merci. Et comme je vous ai dit, Monseigneur était là avec nous depuis le commencement. Quand on a présenté ce dessin, Monseigneur nous a demandé de changer un petit peu ces mots de la table, la structure de la table. Puis on a cherché quelqu'un pour faire un joli dessin de la table, et puis on a eu quelqu'un d'ici même, de la paroisse même, qui fréquente notre paroisse souvent, c'est M. Laval qui nous a donné ce joli dessin de l'hôtel. M. Laval est présent aussi, un grand merci à tous. Et puis vous allez voir toutes les statues de notre église, un peu comme une nouvelle statue, n'est-ce pas? On a retouché, on a refait quelques, comme si c'était un peu passé quelque chose, on a repeint toutes les statues de l'église. C'est M. Eric Hardy et Joël Desjardins qui ont fait ce bon travail, gratuitement toujours pour nous. Merci beaucoup. Et puis, beaucoup de personnes de la paroisse même qui étaient là, ils nous ont aidés, surtout pour, on a agrandi un petit peu notre hôtel, et puis on a travaillé avec la grande croix aussi. C'était un peu difficile de trouver des pierres, taillées, bien taillées, ça coûte très cher aussi. Un des voisins paroissiens, il nous a offert toutes les roches taillées, bien taillées, c'est M. Philippe. Je remercie M. Philippe. Et puis, on a refait tous les bons, on a fait quelques meubles dans le cœur. En fait, tous les bons et les bois, ça vient de l'ancien hôtel. On n'a pas jeté l'ancien hôtel complètement, on a servi pour faire quelques meubles. C'est M. Eddy Ponton qui nous a aidés. Ah, Eddy Diam, sorry. Eddy Ponton, c'est juste des bons mois. Eddy Diam. Eddy Diam, n'est pas ici. Ah, mais pas vous voyez, c'est important. C'est Eddy Diam, il est un membre de la paix aussi. C'est lui qui a fait tous ses travaux. Un grand merci à Eddy aussi. Merci. Et puis, Gino, notre électricien, il était là depuis le commencement, mais malheureusement, pendant la rénovation, il était un peu malade. Et puis, on a eu Arnaud. Fils de Philippe, qui ont la liturgie aussi. Un grand merci, M. Pons. Et puis, j'étais étonné de voir la présence de quelques personnes dans la cour de l'église tout au long de cette rénovation. Même si c'était le confinement, ils sont venus, c'est leur nom alphabétique, ils sont venus travailler dans la cour de l'église. Donc, je dois jamais oublier de remercier M. Roger, M.
Merci Roger. Merci Paul. Gérard. Merci Pipo, notre jardinier. Vous voyez, la communauté de Rina vient occuper. Très joli. Merci Pipo. Ensuite, je dois remercier tous les membres de la fabrique. J'ai présenté, quand on a cette idée de rénovation, tous les membres de fabrique étaient d'accord à travailler ensemble pour réaliser ce projet. Je remercie Aline, Liz, Jean-Bémy, Joseph, Gabriel Agapan, Marco, et aussi l'ancien membre de fabrique, M. Turin et Roger Petit, pour votre dévouement, pour réaliser ce grand projet. Merci à votre puis la dépense de l'argent pendant ce grand rénovation était un travail extraordinaire. Dans l'histoire indienne, il y a quelque chose on dit Akshaya Patra. Akshaya Patra, Dieu a donné à son ami qui est pauvre Akshaya Patra, une serviette, une assiette, hein, pas serviette, assiette. Où la nourriture ne va jamais intervenir. Ouais. Il ne va jamais mourir de faim. Donc, moi, je pense notre trésorier de la paroisse, M. Stéphane Moutou, il est comme un accès à votre que Dieu nous a donné. Chaque fois qu'on approche de lui pour avoir pour quelque chose, pour l'argent, il y a. Hein, il trouve le moyen. Il trouve le moyen. Jamais j'ai eu le problème d'argent. Jusqu'à aujourd'hui, hein, depuis qu'on commence. Jamais ce problème d'argent. Donc, tu nous as donné un accès à votre. Je pense qu'il va continuer. Et dans la Bible, quand Jésus a multiplié le pain pour nourrir les gens, Jésus a demandé qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez avec vous? Donc, quand j'ai parlé de ce projet de rénovation à Jésus, il m'a demandé qu'est-ce que tu as devant, hein, qu'est-ce que tu as à ton côté. J'ai dit j'ai un président de fabrique avec moi, hein, un président de fabrique. Moi je pense que Dieu a choisi Mario pour ce travail. Chaque fois qu'on quelqu'un demande qui est le contracteur de ce travail, on a fait un joli mur devant de la cour de l'église, bien amélioré tous les travaux à l'intérieur. Pas un contracteur, j'ai seulement le président de fabrique, hein, c'est tout. Mario, il était là depuis le commencement de cette rénovation. Tous les jours, quand je me réveillais pour célébrer la messe, à 7h, Mario est dans la cour de l'église déjà, avant 7h. Hein, il reste ici jusqu'au tard, hein, peut-être 7h du soir, même après ça. Hein, donc, Dieu m'a bien choisi Mario. Pourquoi j'ai dit Dieu a multiplié? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'argent pour faire ce travail, pour cette rénovation. Mais le travail qu'on a fait, c'est juste double de budget qu'on a eu au commencement. C'est pourquoi j'ai dit Dieu, Jésus a multiplié beaucoup de choses pendant ce temps de rénovation et Mario est un instrument. Un grand merci à Mario et je voudrais lui présenter un petit souvenir lui aussi. Merci à la chorale, merci beaucoup.
Merci à l'équipe Kappa pour votre présence et qui nous ont aidés pour faire cette messe en ligne. Hein. Merci pour votre présence. Hein. Même si c'était un choc, merci à M. Kemi pour votre présence. Pardon? Ah, les messieurs, hein. À mon départ, que Dieu vous bénisse tous.